Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en compagnie de Manuela, de Michael, de Julie et de Céline. Vous avez l'air vraiment gay aujourd'hui, non? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quoi? J'ai nez rouge, non? Non. Heureux de vous retrouver donc aujourd'hui pour déguster des... poires. Des poires. Ça, bravo, vous êtes drôlement fort. Vous ne pouvez pas imaginer que vous alliez vous tromper sur le fruit en question. Alors, les poires... deux variétés, deux grandes variétés liées à la saison. Les poires et les poires... Alors, les poires... d'hiver. Oui, et... les poires d'été et les poires d'hiver. Alors, dans les poires d'été, on trouve la Jules Guyot, par exemple, qui est une très belle poire, et la William. La William, regardez, nous en avons sur le plateau, elle existe. Vous voyez, comme ça, jaune, absolument magnifique. Et puis, elle existe également en rouge. Regardez, on dirait des fausses poires, tellement elles sont belles. Alors, bon, on les a un petit peu astiquées pour qu'elles brillent. Mais regardez comme elles sont jolies. Hein, c'est une merveille. Et non seulement elles sont jolies, mais en plus, elles sont très, très bonnes. Donc, poire d'été. On a une poire d'automne qui est la Louise Bonne. Alors, elle n'est pas très grosse. Celle-là, quelquefois, elle peut devenir beaucoup plus importante. Elle est également excellente. Et puis, nous avons les poires... d'hiver. Alors, les poires d'hiver, nous avons la doyennée du comice. Et la doyennée du comice, avant de s'appeler doyennée du comice, on l'appelait la doyennée de la Quintigny. Il y a également une autre poire qu'on appelle la bon chrétien, qui est une très jolie poire également. Et puis, vous avez, parmi les poires d'hiver, toujours, vous avez cette poire-là qui est la Pascrassane, vous voyez, qui est une grosse poire, comme ça, qui est assez belle. Et puis, vous avez également la conférence, que voilà, vous voyez, elle a une forme très particulière, la conférence, on ne peut pas se tromper quand on la voit, elle ne devient jamais rouge ou jaune, elle est toujours un peu verte, et elle a cette forme-là. Mais c'est une très très bonne poire. Y a-t-il des poires sauvages? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, évidemment, on n'en trouve plus du tout, ni en France, ni nulle part dans le monde. Mais il y en a eu, et Dieu merci, il n'y en a plus. Parce que c'était des tout petits, petits fruits, qui étaient mais gros comme le petit, comme un petit pois, pas plus gros qu'un petit pois, et qui étaient absolument... immangeable, immangeable, immangeable. Est-ce que vous imaginez que pour arriver à ces merveilles de couleur et de goût, on est parti pratiquement de la taille d'un petit pois et d'un fruit amer et immangeable. Et on a maintenant toutes ces merveilles. Et ça, c'est le travail de l'homme. Parce que des jardiniers ont greffé une fois, deux fois, dix fois, et puis petit à petit, on est arrivé à obtenir ces fruits magnifiques. Est-ce qu'on en a trouvé? Écoute, dans les textes, dans les livres, même les livres les plus anciens, on ne trouve pas trace même du mot poire. Car dans des langues anciennes comme le sanskrit et l'hébreu, le mot poire n'existe pas. Vraisemblablement que les Égyptiens n'en ont jamais mangé, les Grecs non plus, ils ne savaient pas du tout ce que c'était que la poire. La première fois où on trouve... traces du mot poire et des variétés de poire, c'est dans un livre qu'a écrit Caton l'Ancien 150 ans avant Jésus-Christ, où il cite 6 variétés de poire. Et puis plus tard, alors Pline cite une quarantaine de variétés de poire. Il dit même, donc ça c'est au début de notre ère, il dit même qu'il aurait vu une poire qui aurait pesé 500 grammes. La poire, une seule poire, 500 grammes. Vous imaginez ce que c'est, le monument, le morceau que ça devait être. Vous voyez, ça doit peser 60 grammes. Vous imaginez 9 fois plus. Elle devait être énorme. Est-ce qu'elle était bonne, ça? Alors, je n'en sais rien. Il arrive effectivement qu'on trouve des grosses poires. Par exemple, la Louise Bonne, celle-là est petite, on la trouve à peu près de cette taille-là. Mais c'est rare qu'on trouve des poires aussi grosses, non? Est-ce qu'on en mange beaucoup, des poires? Alors, on en mange seulement 4,5 kg par an et par personne. C'est pas beaucoup. Mais c'est quand même le troisième fruit le plus consommé. Le premier, c'est... La pomme. C'est celui que vous préférez? C'est celui que vous mangez le plus? Oui. La pomme. Oui. Et le deuxième fruit, c'est un fruit qui apparaît vraiment en été et à aucun autre moment de l'année qu'en été, qui est jaune ou blanc. La pêche?
La pêche, c'est très juteux, c'est formidable. La pêche, on en consomme 6 kilos et la poire, 4,5 kilos. Moi, je trouve que 4,5 kilos par an et par personne, c'est vraiment très insuffisant parce que c'est un fruit qui est formidable. C'est un fruit qui est bourré de vitamines, de sels minéraux, qui n'est pas très calorique, qui a du parfum. Chacune de ces variétés-là ont un parfum différent. C'est un fruit très original et moi, je trouve que c'est un fruit merveilleux. Vous n'aimez pas la poire ? Si. Oh, c'est formidable. Alors, enfin bref, on ne va pas parler de dire qu'on adore ça. C'est vrai, on aime la poire. Donc, ça veut dire qu'il faut en manger davantage. Et est-ce que des poires d'été, on peut en manger en hiver ? Non, parce que généralement, autant les poires d'hiver se conservent bien, autant les poires d'été ne se conservent pas très bien. Donc, les poires d'été, c'est-à-dire la Jules Guyot, la Williams, il faut les manger dès qu'elles sont mûres, à maturité. C'est là où elles sont meilleures, elles ne se conservent pas très bien. Dans le temps, moi, je me souviens, ma grand-mère, mon grand-père, on conservait des poires pendant très longtemps, parce qu'on les cueillait juste à maturité. On les mettait dans un grenier sur des clayettes, comme ça, c'était aéré. Et puis alors, le temps passait, elle devenait toute flétrie comme une vieille dame, comme ça, avec des rides plein partout. Mais à l'intérieur, il y avait une chair qui était parfumée, il y avait une concentration de parfum dans la chair et il y avait encore du jus. Et on en mangeait comme ça jusqu'au mois de janvier ou au mois de février. Alors il existe maintenant de nouvelles variétés de poires qui permettent qu'on les cueille au moment de la maturité physiologique. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, cette poire qui est la pascrassane, on la cueille, et puis on la met au froid pendant 100 jours, et pendant ces 100 jours-là, elle va atteindre sa maturité, la gustative, c'est-à-dire qu'elle sera au mieux de ses qualités pour être mangée. Mais c'est pas valable pour toutes les poires, mais pour cette poire-là, la pascrassane, c'est très important que ça se déroule comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà été voir dans un verger comment on ramassait les poires, comment ça se cueillait? Vous savez que ça demande du soin, hein. On peut pas secouer un poirier comme ça et puis récupérer les fruits par en dessous. Il faut vraiment les cueillir une à une, etc. Vous avez déjà été voir ça? Oui. Vous voulez qu'on regarde? Hein? Oui. Regardez alors, là, voilà. Oui, alors là, on est dans un verger de poiriers, c'est dans la région d'Orléans. Ça, c'est, voilà, toute une série de variétés. On les a sur le plateau, on les retrouve ici. Alors, pour éviter que les insectes n'abîment les poires, on pratique ce qu'on appelle la lutte intégrée. Alors, regardez ce qui se passe. On compte la densité des insectes par arbre. Donc, on multiplie, on trouve par verger, et selon leur nombre, on peut à ce moment-là doser les insecticides, ou mieux, on apporte des insectes prédateurs qui vont manger et détruire ceux qui ravagent les cultures. Alors là, vous voyez, on récolte des pascrassanes, elles sont récoltées évidemment à la main, en général au début du mois d'octobre, mais elles ne seront commercialisées, comme je vous l'ai dit, que vers le 15 décembre, et du 15 décembre au mois d'avril. Alors, parce qu'il faut leur permettre d'arriver à maturité. Vous voyez, on élimine les fruits abîmés, pourris, on en prend soin. Vous voyez, on les jette pas les unes sur les autres, vous l'avez vu, on les pose délicatement. Elles sont transportées dans une coopérative ensuite. Et là, dans une chambre froide, dont la température peut varier de 0 à 12 degrés. Elles attendent. C'est une atmosphère qui est pauvre en oxygène, mais contrôlée, pour pouvoir ralentir le processus de maturation, attendre le mûrissement et la mise en vente. Alors, pour éviter les chocs, elles vont être plongées dans de l'eau et circuler sur des tapis roulants. Voilà, vous voyez, elles se promènent après avoir été trempées dans l'eau, à la fois pour les laver, mais aussi pour qu'elles ne s'abîment pas. Elles sont rangées ensuite à l'unité, là elles sont calibrées. Ensuite, on les range une à une dans des alvéoles spéciales, emballées pour ne pas les abîmer, parce que ce sont des fruits de belle qualité. Vous voyez ce qui se passe? Comme d'habitude, quand le producteur est fier, eh ben, il met son nom, il signe sa poire, comme en général ils signent leurs fruits, mais pas tous. Et là maintenant, elles sont là, on peut aller les déguster. Est-ce que vous avez déjà cuisiné des poires? Parce que là, bon, on peut les manger comme ça au couteau, ça c'est le meilleur moyen de les manger. Vous avez déjà cuisiné?
Oui, eh bien, mes enfants, nous allons aller immédiatement dans la cuisine sans attendre, faire fondre du chocolat et pocher nos poires. Alors, nous allons faire des poires dites Belle Hélène. Ça va être une coupe avec les poires pochées dans un sirop à la vanille, de la glace à la vanille et par-dessus du chocolat chaud. Alors donc, il nous faut éplucher les poires. Alors, je ne vais pas vous apprendre comment on fait. Simplement, vous voyez, chacune des poires a un petit pédoncule, une queue. Donc, il faut surtout ne pas l'enlever parce que ça va être beaucoup plus joli. Et puis, vous voyez, vous allez éplucher ces poires comme ça. Alors là, allez-y, je vous laisse le travail à faire. Voilà, mesdemoiselles, Julie, une poire. Manuela, Céline, nous, les garçons, on va venir par là, on va préparer le sirop. Alors, on a de l'eau chaude dans une casserole. Voilà. On va mettre une gousse de vanille. On choisit une vanille bien souple. Et puis, comme d'habitude, on l'ouvre. Tu vois ? Pendant ce temps-là, tu pourrais me presser le citron. Alors, tu connais le système, hein, là. On gratte bien. Tu m'as déjà vu faire. C'est ma marotte, ça, mais c'est quand même le meilleur moyen d'avoir un sirop bien parfumé. Alors, le principe d'un sirop, c'est toujours même quantité d'eau, même quantité de sucre. Toujours. Alors là, on a 160 grammes de sucre, donc on va avoir 160 grammes d'eau. Je mets donc la vanille, regarde, et je mets le sucre. Et puis, je vais rajouter ton demi-citron. Et voilà. Alors, on va porter notre sirop à ébullition pendant 2 minutes. Maintenant, regardez ce qu'on fait. On prend. Là, on pourrait faire ça quand même, vous voyez. Voilà, on va enlever ça et poser nos poires les unes à côté des autres. Voilà. Alors, on va laisser cuire ça tranquillement pendant à peu près une demi-heure à petit feu. Alors, nous allons maintenant vérifier si nos poires sont cuites. Un petit couteau pointu. Elles sont. Et elles sont cuites. Hein. Elles sont impeccables. Mais c'est plus joli quand il y a la queue, vous voyez. Et là maintenant, on va verser le sirop. Est-ce que tu veux être gentil d'aller porter ça dans le réfrigérateur? Voilà. Bien sûr. Merci, Céline. Alors maintenant, pendant que nos poires sont en train de refroidir, on va faire la sauce au chocolat. Alors, feu doux. Et réduisez le gaz au maximum, comme ça. Et vous allez mettre du chocolat. Du chocolat amer, une tablette de 175 grammes que vous allez casser en petits morceaux pour qu'ils fondent plus rapidement. Un petit peu d'eau. Oui, j'en mets pas beaucoup, hein. Je mets la valeur d'un huitième de litre, même pas, vous voyez à peu près ce que c'est. Et voilà, et on va laisser fondre. Tiens, Michael, c'est toi qui es en charge du fourneau. Vous voyez, comme ça commence à devenir onctueux, là. Vous voyez, c'est en train de crémer. Montre voir que je touche. Voilà, ça, c'est quand même pas mal, notre c'est affaire. C'est appétissant. Hein? C'est appétissant, oui. Voilà, alors on va commencer à mettre un petit peu de beurre. Alors le beurre, c'est ce qu'on appelle du beurre en pommade. Donc il faut le sortir avant du réfrigérateur pour qu'il soit. Voilà, là, ça faut tourner, mon petit lapin. Alors là, faut y aller. Hein. Il faut que ça se mélange et on va le mettre petit à petit. Vas-y, vas-y, ne tourne simplement. Il faut surtout le mettre petit morceau par petit morceau et c'est seulement quand le premier des morceaux est fondu qu'on rajoute le second. Voilà, très bien. Alors, voilà la glace à la vanille, voilà la coupe, voilà les poires. Je mets la glace, je vais en mettre 2 boules parce que c'est nous. On est gourmand, non? Hein? On est très gourmand. Voilà, on a les 2 boules. Passe-moi voir la poire. Elle est donc fraîche. Alors, on peut la laisser entière, mais moi, je crois que pour nous, ça serait mieux de l'avoir coupée en deux. Voilà. Comme ça. Et maintenant, regardez ce que je fais. Un petit peu de chocolat chaud. Regardez le travail. Regardez la beauté de ça. C'est pas appétissant, ça, des fois? Si.
Hein? Eh bien, vous savez ce que je fais? Je prépare les quatre autres en vitesse et je vous retrouve dans la serre. Voilà, monsieur Michael. Salut à tous. À la semaine prochaine avec d'autres ingrédients, avec d'autres produits. Merci.